D'accord. Monsieur Haddad, la question la chambre, de Haïda est la chambre, absolument précise. La deuxième chambre, je pense que c'est un acquis indéniable. En quoi? Je vais vous dire. En quoi? Dans son existence même. Le fait qu'il existe, c'est un acquis. Et pourquoi? Ah, je vais vous dire pourquoi. Au même titre que le Sénat ou le Conseil constitutionnel français a été créé par la France, par De Gaulle, au même titre. C'est-à-dire le fait qu'il existe, théoriquement, c'est un grand acquis. Vous savez, excusez-moi de lorsque... vous... Excusez-moi, non, je suis obligé de vous corriger d'emblée. Hein? Le Conseil constitutionnel a été créé par De Gaulle pour limiter le rôle du Parlement. Ça n'a pas été une grande avancée pour la démocratie. Je me suis fait mal comprendre. Je voulais exactement dire cela. C'est un acquis parce que cette instance a le temps de croître, a le temps de s'alimenter, a le temps de devenir consistante, a le temps de jouer le rôle auquel l'appelle sa vocation. Voilà ce que je veux dire. Ça veut dire qu'elle n'a pas ce rôle aujourd'hui? En d'autres, elle a un rôle aujourd'hui. Elle a un rôle. Elle existe. Je préfère qu'elle existe plutôt qu'elle n'existe pas. Mais si voilà, elle, si tout simplement. Mais quel est son rôle si elle ne sert à rien? Elle sert à beaucoup. Et par exemple? Par exemple, elle sert à ce à quoi sa sœur jumelle en France servait